What do you do? I do the Riggle Lab. À 85%. Ouais, 85%. En vrai, c'est un bon chiffre. C'est une belle estimation. J'avais la pression de fou, mais j'ai été entouré de gens très agréables, très respectueux, très sains, donc ça a permis de mettre cette pression au bon endroit. Je pense pas qu'il faut tuer la pression dans la vie, moi je pense que la peur, la pression, c'est moteur. Quand t'as une équipe comme ça, t'as envie de tout donner pour régaler tout le monde. Le Death Note. Moi ce serait un truc d'Égypte antique et tout, genre. Ah, le collier du millénaire. Le collier du millénium de Yu-Gi-Oh! Oh. Mais tu sais, genre un vrai qu'on trouve dans un tombeau et tout. Là, je pète un câble. Avec un jeu de cartes à côté. Je deviens fou. Le dragon blanc aux yeux bleus. Là. Tac! Ah ouais, moi j'ai un petit délire égypte antique, je t'avoue. J'avais un petit pendentif où c'était une fleur de lotus que j'avais acheté aux enchères qui était supposé dater d'Égypte antique, genre plusieurs milliers d'années et tout. Ah ouais. Et quand on s'est battu à Marseille. Ah, c'est ça que t'as arraché ? Il m'a arraché le collier, ouais. Oh putain. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Le collier, t'es un peu protégé. Avec ses pouvoirs et tout. Ouais, je pense que c'est le collier qui m'a protégé. Ouais. Il m'a. Et ouais. Le sang n'est pas sorti. Ah, on est bien sur les 85% là. C'est exactement comme tu l'imagines. Non, c'était super cool. C'était en plus en Ukraine et tout. Juste après le tournage de Des Méchants, donc deuxième expérience au cinéma, pas mal. Je sais que c'est en discussion, mais Jean-Claude pour l'instant est en train de faire ses grands écarts, donc c'est pas trop quoi. Ouais, moi je connaissais, les baskets par rapport à ils avaient fait le clip pour ceux. Pour les calouches, les arbouches, les manouches, en galouche, hardcore même quand ça galoche. Moi je me souviens qu'il y a celui où il y a le gorille à la fin là, que je regardais quand j'étais jeune. Je me souviens de la première fois que j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. C'est celui où, tu sais, c'est les baskets là qui arrêtent pas de passer de genre en genre là. Tu te souviens de celui-là où après même il y a la scène, ils ont les pizzas et tout. Et à la fin il y a un gorille qui s'est échappé d'un zoo, vous en avez pas ? Easy Pizza Rider. Easy Pizza, voilà, ça c'était une dinguerie. Je dirais que je serais le roi de l'alcool, quoi. Alcoolman. Alcoolman. C'est pas Iron Man, c'est Alcoolman. J'ai une combinaison qui arrive, vous avez... Ouais, dès qu'il y a deux bails. Ouais. Je parle avec quelqu'un dans la tête, truc, elle est rapta. C'est moi la voix. Jimo, envoie mon armure. Ok. Ah ouais, Alcoolman.